Mae. Entrez. Bonjour, ma belle mère adorée. Bonjour. Qui est ta belle mère comme ça? Je suis votre belle mère de quel côté comme ça? Demande-moi de m'asseoir. On a assez dit. Je vous demande de vous asseoir comment? Vous avez quoi à me dire? Mais un étranger se présente d'abord avant de prendre place chez moi. Ok, appelle-moi Gérard. Je suis une relation très proche. Monsieur, qui vous a autorisé à vous asseoir dans mon salon? On t'a dit que ma maison est la cour du roi Pétéo. Je ne me lèverai pas d'ici sans t'avoir dit l'objet de ma visite. Asseyez-vous donc, Madame Gatche Chimène. Ah, dans tout ça, le bon monsieur connaît même mon nom et mon prénom. J'espère que vous n'êtes pas un agent de renseignement, hein, parce que là où je suis là, je ne veux même pas les problèmes dans ma vie. Je suis inspecteur de police. Hé hé, ça a déjà commencé, je n'ai pas dit. Mais ne t'inquiète pas, je ne suis pas ici en service. Pardon, dites-moi ce que vous voulez, parce que là où je suis là, mes os tremblent déjà. Ça me fait même comme si le paludisme veut m'attraper. Hein. J'ai les sueurs froides. Madame, considère-moi déjà comme faisant partie de ta famille. La famille de qui? De Gatche Chimène, tu as tapé à côté. Attends un peu là. Tu dis même que tu sors d'où? Je suis l'amant de ta fille. J'ai une fille unique. Je dis bien une. Tatiana. Et pour ta gouverne, elle est déjà mariée. Oh. Pour toi, que signifie amant? Donc tu veux dire que tu amènes ma fille dans les Sosongo? Tu fais le derrière-derrière avec elle? En langage terre-à-terre, c'est un peu ça. Quoi? Langage terre-à-terre là, c'est même quoi? Donc tu veux dire que ma fille trompe son mari avec toi? Tu commences à comprendre. Ça vient déjà. Pardon, hein? Va en brousse avec ça. Tu as bien regardé le mari de Tatiana. Et tu t'es regardé toi-même. Mais... vous êtes incompatible. Je connais bien même les goûts de ma fille Tatiana. Ah, elle aime quand un homme est imposant et mignon. Et surtout, elle aime beaucoup d'argent. Et toi là, tu as le cœur. Donc tu me sous-estimes. Sachant que ta fille aime l'argent, elle sort avec moi. Ça veut dire que je la gère bien. Sûrement je rêve. C'est juste que ton histoire ne tient pas la route. Bon. Supposons même que c'était le cas. Donc, tu es venu me voir pour dire que ma fille trompe son mari avec toi? Ça me sert vraiment à quoi? Je suis venu te faire une proposition. Laquelle? Étant donné que je suis amoureux de Tatiana, j'ai besoin de ton aide pour la retirer de son foyer à mon avantage. Hé, j'ai moi dit que quand mon corps tremble comme ça, c'est qu'il y a les mauvais esprits qui rôdent. Alors que j'étais à l'église dimanche. Hey. Quel est le rapport avec l'église? Mais moi, je suis chrétienne pratiquante, moi. Massa.
J'ai déjà mangé la dot d'un homme qui est venu prendre ma fille comme il se doit. Et quelqu'un débarque de je ne sais où et me demande de briser le foyer de ma propre fille, ma fille unique. D'où vous viennent les esprits aussi machiavéliques de la sorte? On t'a envoyé? C'est une gâchée chemin que vous voulez prendre dans votre sorcellerie là? Madame, je suis venu parler business avec toi. Tu n'as même pas encore écouté ma proposition. Oui, je t'écoute. Je te donne 1 million pour me gérer ça. 1 million? Ah, je wonder. Oh. Et comment dois-je procéder pour gérer un tel travail? Tu es une bonne actrice. Ce n'est pas créer une mise en scène qui va te dépasser. Tu arrives chez elle, tu crées un mouvement. Ce n'est pas l'inspiration qui va te manquer. Après avoir créé les problèmes là-bas, tu demandes à ta fille de faire ses bagages et tu la ramènes à la maison. Quelle maison? Chez toi ou chez moi? Oh, chez toi non. Pour que tu viennes la voir ici à ta guise? Tout à fait. Gérard, c'est plutôt vous qui êtes bon metteur en scène. Mais qui a même organisé tout ce cirque? C'est toi ou c'est Tatiana? C'est moi. Tatiana n'a pas encore développé sa créativité. Tatiana est quand même consentante? Évidemment. Sinon, je ne serais pas venu te voir. Donc, elle a dit que j'allais accepter ton argent? Oui. Aïe! Ok, pour commencer, envoie les 1 million pour prouver ta bonne foi. Fais d'abord le boulot et l'argent suivra après. Attends un peu. Tu veux me jongler ou quoi? Il me faut avoir une garantie. Tu vas me signer un contrat en bonne et due forme. Et dans ce contrat, tu expliqueras en détail ce que tu attends de moi. Et en mentionnant ton offre et les échéances. Sans problème. Voilà, c'est bon. Tu as signé. Maintenant, avec ce document, je vais aller te porter plainte. Pour destruction de mariage et corruption d'une pauvre veuve. Ça, c'est une preuve probante que tu as l'intention de briser le mariage de ma fille. Ma fille unique. Mais madame, soyez un peu raisonnable. Quand on parle de corruption, la loi punit le corrupteur et le corrompu. Moi, je n'ai encore signé aucun document qui me lie à ton crime. Donc, le corrupteur, là, c'est toi. Moi, je ne consens pas au... Je refuse de participer à ça. Donc, tu refuses mon argent? Désolée, je ne mange pas de ce pain-là. Veuillez sortir de chez moi. Sortez s'il vous plaît, tombe le chichon. Tu ne sais pas ce que tu rates. Hein? L'argent est sucré à tout moment. Gâché chemin ne touche jamais à l'argent sale. Je suis dehors et l'eau chaude ne manque jamais dans la cuisine. Sors vite. Espèce de criminel. Hey.
absurde. Je n'ai jamais couché avec ce type. Maman, j'étais seulement avec lui pour son argent. Loin de moi de quitter mon foyer pour un type pareil. Attends, maman, tu m'as bien regardé. Je continue à bien te regarder. Mais je n'arrive toujours pas à te cerner. Tu joues à coup juste. Manger l'argent d'un homme alors que tu es mariée. Attends un peu. Qui t'a inculqué cette éducation? Moi, si. Ngache Chimène est chrétienne pratiquante, tu le sais, non? Pourquoi tu veux me mettre le diable au corps, Tatiana? Est-ce que c'est parce que je suis mariée que les hommes ne me draguent plus? Parfois, pour chasser un homme collant derrière soi, il faut bien manger son argent. Ce n'est pas une histoire de christianisme ou d'athéisme. C'est du réalisme, maman. As-tu idée de ce que Jérôme a fait comme proposition? Il veut m'épouser. Plus que ça. Quoi? C'est pas croyable. Maman, tu l'as laissé partir avec l'argent, fille. Attends, mais tu aurais dû l'organiser pour occuper cet argent. Écoute bien ce que je vais te dire, Tati. Lorsque tu ne veux pas d'un type, ne mange pas son argent. Étant donné que tu es une femme mariée, tu dois te respecter. Avec cette attitude, tu cours le risque de perdre ton propre foyer. Tu vois que les choses que tu fais en cachette viennent me trouver sur place, non? Je t'ai appelé ici pour te demander d'arrêter cette vie. Arrête-moi ça. J'ai compris, maman. Mais sache que je ne suis pas une femme infidèle. J'aime trop mon mari pour ça. L'infidélité, la commence déjà lors de la transaction des numéros de téléphone. Donc, lorsque tu acceptes de donner ou de prendre le numéro d'un dragueur, l'infidélité s'est déjà articulée. Alors, pour me faire honneur, moi, Gatche Chimène, fervente chrétienne pratiquante devant Dieu, il faut mener une vie conforme. J'ai compris, maman. Attends, tu n'as pas confiance. Maman, j'ai quand même choisi un mari qui rehausse ton charisme, non? Bien sûr. C'est pourquoi j'étais très déçue de voir ton prétendu amant. Maman, même prétendu là, ça ne commence même pas. Il ne le sera jamais. Mais commence d'abord par regarder l'homme charismatique qui était ton père Timothée. Et toi-même, tu vois que ta mère n'avait pas fait dans la dentelle, non? Dans mon charisme, si. Mais c'est négocié avec personne. Ah oui, oui. C'est quand même Chimène Gatche. Tu ignores quoi? Du fond de mon cœur, je te dis merci, maman. Du fond de mon âme, je te dis merci, maman. Parce que je te dois, je te le dois. Et tu m'as donné la vie. Comblé, comblé, merci.